Une perceuse qui est chez quelqu'un de lambda est utilisée 15 minutes par an en moyenne. La manivelle, c'est une bibliothèque d'objets, donc c'est très simple. C'est calqué sur le modèle des bibliothèques où on va prêter du matériel. C'est quelque chose qui existait déjà ailleurs et même qui existait dans notre culture, hein, de se prêter des choses dans les villages, de partager des machines. Mais c'est vrai que dans notre société, entre guillemets, urbaine, occidentale, c'est quelque chose qui était assez peu courant. Et c'était une vraie question, pourquoi ça n'existe pas? En fait, la manivelle, c'est vraiment né à la fois d'un constat un petit peu de trouver des solutions écologiques pour créer un monde un petit peu plus durable. On peut emprunter tous les objets dont on a besoin. On était les premiers en Suisse, ça existe très peu en Europe. Le modèle parle vraiment à tout le monde, ça c'est très intéressant, c'est pas un truc d'écolo-bobo. 90% des gens qui peuvent se dire j'ai juste besoin d'un truc, c'est pratique. Dans le contexte urbain, on n'a pas de place. Ces deux abonnements qu'on propose aujourd'hui, c'est accès illimité pendant un mois à 20 francs et puis l'accès à l'année pour 100 francs. Et puis on arrive à des chiffres assez intéressants, quoi, de 2000 utilisateurs depuis le début, 1000 utilisateurs et utilisatrices actives, 400 prêts par semaine, ça devient vraiment sérieux. C'est plus un truc un peu bizarre, anecdotique. Évidemment, il y a un côté social qui entre en jeu, donc en fait, avec la manivelle, on offre aussi des emplois d'insertion. Du coup, maintenant, la manivelle, c'est un peu le garage de nos grands-parents, où on vient et puis on sert et puis on ramène.